Rideau Roller, place de la Bastille, pour découvrir Paris autrement. Pour fêter le centenaire de la Fédération Française de Roller Skating, la commission randonnée a convié les amateurs de glisse le 13 juin dernier à célébrer cet anniversaire dans les rues de la capitale. Organisée en collaboration avec l'association parisienne Roller et Coquillages, 6000 personnes ont goûté à un parcours de 20 km. Et au-delà du public parisien, ce sont des participants venus de toute la France qui ont pris part à cette fête et profité d'une randonnée pas comme les autres. Alors le parcours qui est proposé, c'est un parcours de découverte parce qu'on a beaucoup de clubs qui viennent de province aujourd'hui exprès pour cet événement. On a vraiment des gens qui viennent de Strasbourg, de Bretagne, d'Aquitaine, de PACA, de Lille. Donc on a d'Auvergne également et on a donc choisi un parcours un petit peu découverte. Nous irons sur l'île Saint-Louis à proximité de l'île de la Cité, la Tour Eiffel bien entendu avec la pause et un super lâcher de ballon à cet endroit-là. Donc vraiment voilà, un parcours un peu touristique et de découverte. Familiales mixtes, les randonnées urbaines en roller sont gratuites, accessibles à tous et existent dans toutes les grandes villes de France. Par-delà les âges, tous sont rassemblés autour de leur passion du roller dans un état d'esprit bon enfant qui fait la force et la richesse de cette pratique randonnée. C'est une grosse rando, c'est les cendres de la Fédé, donc apparemment le parcours est assez sympa, donc on va voir. Nous sommes un club qui vient de la capitale de Champagne et chaque année on essaie de venir à la randonnée de... au moins une fois sur Roller et Coquillage. Et puis là, pour les 100 ans, on voulait surtout pas louper ça. Donc on est venu le plus nombreux possible. On est une petite vingtaine de la région de Champagne. C'est pas du tout une course, au contraire. C'est quelque chose de très bon enfant, de très sympa. On a des familles, on a des enfants, on a des gens en fauteuil roulant. On a vraiment un public qui est très éclectique, des gens de tous âges. Et ça permet d'avoir une activité qui soit ouverte à tout le monde, quoi. Voilà. Encadrée par les services de police, la randonnée bloque la chaussée durant son passage. Régulièrement, un arrêt est donc effectué par les éclaireurs pour permettre au peloton qui s'étend sur 2 km de se reformer pour repartir groupé. On ne connaît pas les noms des rues, on se balade, on visite, c'est vraiment sympa. C'est un moment où on rencontre des gens. Bon là aujourd'hui je suis venu seul, mais d'habitude je viens avec des gens, même des enfants, c'est super. On profite un peu de Paris parce que sinon on ne sort pas quoi. Donc là on profite un peu de l'environnement et ça fait plaisir, simplement. Organisé tous les dimanches matins par l'association Roller et Coquillages, les randonnées dans Paris connaissent chaque fois un franc succès. 3 semaines avant, 2 parcours sont proposés et mis au vote sur le site internet de l'association. Et une fois validés par la préfecture de police, les rollers n'ont plus qu'à prendre la capitale d'assaut. Paris, c'est une ville de rollers. Le roller n'est plus une mode, le roller est un mode de déplacement. La Fédération Française de Roller Skating a 100 ans. C'est une des plus vieilles fédérations de France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ça, peu de gens le savent. Et effectivement, Paris est la ville du roller. J'ai commencé à faire du roller dans les années 50, mais quand j'étais gamin, quoi. Puis après, j'ai arrêté, comme tout le monde, parce que, bon, j'ai fait du vélo, de la mobylette, de la moto, de la voiture. Et puis, je suis revenu à l'âge de 50 ans, à peu près, à me dire, tiens, c'est pas mal, au fait, comme sport. Et de racheter des rollers, et puis voilà. Créée en 1910, la Fédération de patineurs à roulettes a évolué sous plusieurs formes durant le siècle. Avec un peu plus de 50 000 licenciés répartis dans 7 disciplines, cette fédération est en plein essor et prouve que même après 100 ans d'existence, le patin est toujours à la mode.